Donc eh bien salut à tous et à tous, donc on se retrouve donc pour la troisième partie du walkthrough de Pokémon version Perle. Donc il faut donc retourner donc à notre première ville. Donc c'est parti, on y va. Donc bien sûr donc il y a des dresseurs. Je suis un dresseur et moi aussi je suis un dresseur. Nos regards se sont croisés, nous devons combattre maintenant. Je n'ai pas touché, donc Wistikram n'a pas monté de niveau. À faire cette vidéo maintenant ou demain, je me suis dit voilà, fin maintenant. Faut qu'autorer aussi que je pense à capturer d'autres Pokémon, et si question je n'ai qu'un seul. C'est dur. Putain, déjà. Il faut vraiment que je monte de niveau et que j'attrape d'autres Pokémon parce que là. Ce message-là, vous le verrez pas souvent, enfin vous le verrez qu'au début du jeu. Après, ce message disparaîtra, vous irez directement au centre. Bon, là, vu que j'ai pas encore été dans le centre Pokémon, bah je retourne chez ma mère. Enfin, je retourne au dernier endroit où j'ai pu soigner mes Pokémon. Ok, niveau 2 c'est pas beaucoup, mais bon. On a tous les yeux. En fait c'est vraiment peu, mais vu mon niveau, tant mieux que je monte. Encore un coup. Ah bah non. Un coup critique. Nous aussi, tant mieux. Donc autant mes souvenirs, niveau 7, il va prendre le mail. Donc j'aurais dû faire ça en off en fait. On va directement son Pokémon, comme ça on y retournera déjà là et il faut que je sois prêt aussi au stick-run.
puis demain aussi, il faut que j'essaye de pendant les vacances que je finisse les deux tours flou parce que. Oui, moi je suis déjà en vacances depuis vendredi. Même si normalement c'est le 6 juillet. De toute façon, la semaine prochaine c'est le brevet des collèges. Donc on a cours que lundi, mardi. Enfin, je crois. En tout cas, parce que les profs nous avaient dit de marquer que les heures du lundi, mardi. Bon, chose que j'ai pas noté puis j'ai arrêté vendredi. De toute façon, le conseil de classe est fini, il n'y a plus de contrôle, donc le trimestre est fini, donc voilà. Je trouve que c'est un peu rien de rester. Parce qu'en ce moment, là, on fait que du lavage et du rangement. Alors. Il va me refaire chier qu'il nous attaque. Donc je sais pas si vous entendrez gueuler, mais c'est pas grave. C'est pas comme si vous avez rien entendu. Non, cette fois on va le buter avant. Il y a encore deux coups. Ah, encore un là. Je sais pas si je peux faire pause dans une vidéo. Nickel sa mèche. Enfin, comment attaquer pour aller plus vite. Donc je sais pas si si j'ai des potions. Si j'en ai tant mieux, si j'en ai pas, bah, tant pis. Ah bah en fait j'en ai pas. Que je peux vous faire les lectures, ça n'a pas à faire. Double cunateur. Est-ce que j'aime pas aller très loin avec ça? Donc je passerai vite au centre vite fait si j'ai pas envie de recrever. Yes. Niveau 8. On est bientôt à 10 minutes. Non, pas encore, mais bientôt. Ici dans les herbes là vous pourrez trouver des élixirs dans le souvenir. Bon, ça c'est assez casse-couille les Pokémon, on va toujours venir. C'est la même chose,
chose dans un mystère, t'as toujours des gens qui arrivent, des coquins qui apparaissent. C'est assez casse-couille. Donc je ne parlerai pas de femelle parce qu'en fait il n'y a que le mâle qui apprendrait close combat. Non, je trouve ça bizarre qu'une femelle n'apprend pas une attaque du mâle. Tiens, quand je parlais de tout à l'heure. Bah tant mieux, il est devenu plus fort là, comme ça. Sauf si le Xic n'a pas beaucoup de défense. Prendre du point d'expérience. J'entraînerai étourmi en œuf. Tiens, en même temps, je laisse le dresseur là pour tout à l'heure. Enfin, pour plus tard, quand j'entraînerai le Pokémon. Donc je vais vous laisser un peu le temps de lire. En attendant, on va quand même passer au centre. Oui, encore. En fait, je trouve que ça, je trouve ça bien qu'il y ait une limite qu'on peut dépasser dessus, sur YouTube. Parce que 15 minutes, tu peux pas faire grand chose. Après là, avec une durée de limitée de plus, 15 minutes, c'est mieux. Donc dans mes souvenirs, ça c'est deux cartes et il va nous en donner une. Voilà, donc c'est une carte qui est très pratique pour ceux qui connaissent pas le jeu. Pour ceux qui veulent savoir où aller et où ils sont. En gros, dans ma classe, il n'y en a que 5 qui restent jusqu'à la fin de l'année. Je pense que c'est une bonne chance. Donc, ce monsieur, en fait, fait partie de... une association dans les souvenirs, ou je sais plus quoi. En tout cas, c'est le truc pour la Pokémon. Donc en gros ils sont là, et il y en a tous trois, et ils vont vous poser des questions, vous devez répondre par la bonne réponse. Bah oui. Donc en tout il y en a trois. Donc là on a le premier bon, après on aura le deuxième et le troisième bon. Donc il y en a un là. C'est le troisième, on va donc faire d'abord le 2. J'avais pas lu la question, ça m'a surpris, j'ai dit mieux au hasard.
dit que des oui. À 20 minutes, je m'arrête. En fait, en gros, j'ai pas besoin du deuxième CD. Enfin, du deuxième boîte. Donc la pause qui montre est là. Là il y a en tout en vrai à minuit 29. Donc après il y aura plus d'interface que vous pourrez aller demander au monsieur. Justement ce monsieur là en allant justement dans la compagnie il va vous les donner. Puis il y en a certains où vous obtiendrez dans le jeu. Alors, il y en a un que vous obtenez par le procès. Professeur Sorbier pour Créfolé et il y en a un pour Professeur Chen là, qui a voulu tenir pendant mes souvenirs. Ça, ce sera vers la fin du jeu. Donc, vous avez le temps. C'est parti. Alors, on va pas aller par là, mais par là. Ou inversement plutôt, parce que je sais ce qui va nous attendre là-bas. Et pour l'instant, je ne suis pas encore prêt. C'est parti. Dès que je pense que ce combat là j'arrête. Parce que là, vu que mon PC est éteint, je pourrais pas mettre la vidéo sur mon PC. Oui, grâce à un. J'ai en fait un logiciel qui permet de transformer ma vidéo en avis, mais même à passe-temps sur Windows Movie Maker. Mais sauf que par exemple pour les deux parties pour être au placement d'un manoir, j'ai dû. Pour les deux, j'ai dû mettre 5 ou 6 minutes. Et pour une, bah, j'ai dû mettre 2 minutes et demie, voire 3, parfois. Donc voilà. Oui, merde. D'ailleurs, t'as toujours pas sorti avec des sous-silver. Parce que je vous avais promis une vidéo spéciale de l'année, du nouvel an. Je les ai pas encore fait. Ok, ça y est, comme ça s'est passé depuis comme beaucoup de temps maintenant. Parce que maintenant on approche quand même de la moitié de l'année 2012. Si on est le mois de juillet, c'est le numéro 6. Et en tout, il y en a 12, donc ça fait la moitié. Mais c'est vrai que Tommy et Rusty Crane deviennent niveau 10 les deux pour la prochaine partie. Assez facile quand il aura des attaques, mais au début c'est chaud. D'ailleurs, pour que je fasse aussi une playlist pour le de votre que j'en ai fait que pour le Mazel Butokaiten qui se trouve, faut que je le fasse aussi pour le Butokaiten 3 pour faire les. Pour les deux autres, j'imagine l'équipe de secours. Oui, c'était un peu inutile de le faire maintenant, mais c'est un Magic Art. Mais en gros, ça servait presque à rien. Donc, vous avez rien à craindre vu qu'il fait 30 têtes. D'ailleurs, c'est la seule attaque qu'il a au tout début. Heureusement qu'il va prendre vite charge, parce que... Oui, j'allais dire flash, mais non. Je suis un peu bourré. Je ne fais pas gagner beaucoup, alors il peut retourner chez lui. Bon, je ne mettrai que demain. De toute façon, vous le verrez. Dans l'après-midi, je peux pas. Je vais pas passer mon temps à allumer tout mon PC. Oh, presque niveau 10. Bon, on va s'arrêter là pour la troisième partie, hein, parce que sinon. Seulement 5 minutes et 20 secondes pour finir.
Donc je vous retrouve peut-être demain, je sais pas. De toute façon, vu que je suis de vacances, j'ai le temps. Donc voilà, donc je vous retrouve soit demain ou soit un autre jour. Ouais.